Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, on s'est arrêté la dernière fois, se dire durant notre guerre sainte. Non. Voilà. Notre guerre sainte pour récupérer, je sais même plus quoi, ici c'est le duché de la Poméranie, bidule machin, que je sais pas dire le nom, donc je m'excuse. Donc voilà. Donc on recontinue, on s'est arrêté. Hein. Entre temps il se passait rien du tout, j'ai juste préparé le mariage. Voilà. Par contre, tu veux faire un truc. Mette-moi. Nickel. Voilà. Parce que j'ai besoin d'enlever ce trait de caractère, réparer le caractère paresseux, qui est très très chiant. Mais bon. Je refuse. Je veux piller. Uniquement pour cette raison-là. Voilà, on soulève encore un peu plus de troupes. Voilà. Bon, on peut constater que ma technologie militaire me manque un tout petit peu, c'est bon ici. Construction, c'est bientôt bon. Bah, en fait, tout est bientôt bon, hein. Faut être honnête. C'est parfait. Que demander de mieux? Je sais, une bonne guerre. Non, plus sérieusement, je vais continuer à faire plein de guerres pour vous. Hein. Je sais que c'est quelque chose que vous appréciez. Ouais, enceinte, génial. Franchement, pas besoin. Et après, plus on garde possession de ces territoires, bien évidemment, plus ceci augmente pour nous. Voilà, c'est... Le tendon est en train d'être pillé, d'accord. Pour une fois, je vais pas m'en occuper. Voilà. Ah oui, je suis gentil. J'ai aidé la Pologne. Ah, maître espion est mort. D'accord. C'était le Caire. De ça. Bon, c'est plutôt bien ce que... devenu mon prisonnier en plus. Ouais. Allez, organisation militaire. Allez, là, toujours plus. Un coup de 800, un coup de 600, d'accord. Donc je fais vraiment une immense armée terrestre. Ouais, on va compléter par ça. Et je pense que je peux lui proposer la paix, franchement. Parfait, une guerre encore de gagner. J'ai créé le déchet de Pomerami, de bidule machin là, je sais pas à qui ça appartient. Avec tout ce qu'il y a dedans. C'est comme ça en fait, ça m'évite de me débrouiller là-bas. Le duché de Volimérie, bidule, machin. Ouais. Donc maintenant, suivant, déclarer la guerre. Je veux la guerre sainte pour... Le plus gros camembert, comme d'hab. Hein. On va pas changer une méthode qui gagne. Hein.
Ah ouais, au Caprousse carrément. Pourquoi à Prusse? Juste parce que j'ai envie de prendre la Prusse. Non, plus sérieusement, je préfère prendre en fait les terres de Texor parce que après je ne puisse pas être conquéri par eux en fait. D'ailleurs, j'ai plein de prisonniers. Non, vous voyez pas. Dommage. Pour moi, ça perd. C'est dommage ça. Bon, vous constatez aussi que j'ai plus beaucoup d'or récemment. C'est génial les poétiques des grands travaux. Hein. Ouais, y a une alliance déshonorée, mais à côté j'ai rejoint la guerre aussi, donc ça compense. Bon, l'avantage, comme je vous ai toujours dit, de faire les guerres là, c'est que ça vous permet de gagner des territoires très facilement. Bon, après, garder le contrôle sur la population est peut-être pas forcément facile. Pas forcément, hein, c'est... Non, il n'y a pas... Ils peuvent pas, bon... Voilà, c'est... Bon, j'aime pas faire payer rançon, mais bon, quand ils acceptent, je les fais payer. Quand ils veulent, pas, ben, je libère, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, venons à un petit point aussi, on va continuer avec Antilles historique, c'est... Ermenkadar. C'est tout ce qui est le travail à cette époque-là en ville. Il faut savoir par exemple que si vous êtes menuisier ou commerçant, tout ça, il y a plusieurs rangs. Il y a apprenti, compagnon et maître. C'est les rangs principaux. Et que vous faites forcément partie d'une corporation. Par exemple, si vous êtes commerçant, vous faites partie de la corporation ou de la guilde des commerçants. Si vous êtes menuisier, de la guilde des menuisiers par exemple. C'est quelque chose d'obligatoire ça, donc c'est même pas à réfléchir est-ce que je fais partie de ça ou pas, c'est quelque chose d'obligatoire. Faut arrêter de fumer là. La deuxième fois qu'il tombe dans l'hérésie le bonhomme. Et cette corporation, vous avez de nombreux avantages d'être dedans. Pas d'où être mort, donc je... D'accord. Pas d'où être encore né. Je récupère aussi ça, ça... Ces corporations, c'est-à-dire, en fait, vous faites par... En gros, vous faites partie d'un peu d'un groupe, hein. Dans lequel vous avez des obligations plus ou moins importantes. Du genre, par exemple, vous avez des quotas de production, en quelque sorte, et vous devez les respecter. Et les prix sont aussi fixés par la corporation. Donc c'est vraiment quelque chose de très strict. Ça réglemente le métier énormément. Mais à côté, vous avez des avantages. C'est que quand vous faites partie de la corporation, il y a quelque chose qui est souvent oublié, c'est qu'il y avait une sécurité sociale. Je prends l'exemple français en tout cas, après le plus souvent au Moyen-Âge c'est pareil dans tout l'Occident. C'était une sécurité sociale en fait, si jamais votre mari mourait par exemple dans ses métiers ou était mutilé tout ça, on donnait une indemnité à la famille. Comme ça, c'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est quelque chose quand même d'assez important étant donné que vous permettez à la famille de vivre malgré le fait que votre mari a été blessé, vous voyez. Et il faut savoir que les personnes sont très solidaires à cette époque-là. Donc il y en a qui se blessent, tout ça. C'est pas comme maintenant où, je suis désolé de le dire, c'est l'individualisme extrême. Les gens sont très extrêmement individualistes. À cette époque-là, c'est vraiment on s'aidait, tout ça. Donc ça change vraiment. C'était un peu la sécurité sociale de l'époque. Ça permettait aux familles quand même de survivre malgré les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes oublient étant donné que de base, c'est...
faut dire ce qu'il y a, c'est ignorer parce que on est confronté au fait que c'est le Moyen Âge. C'est oublié parce que c'est le Moyen Âge. On se dit, voilà, c'était la vie était dure. Non, non, c'était pas. C'est pas forcément une vie facile le Moyen Âge. Faut dire ce qu'il y a, c'était quelque chose quand même assez ardu pour vivre tout ça. Mais à côté de ça, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de solidarité, d'entraide, d'aide. Que aujourd'hui, les gens ont oublié. C'est ça d'ailleurs qui est beau à cette époque-là, c'est que tout le monde dans la corporation se connaissait. À peu près, donc. Mais bon. Pour être partie d'une corporation, c'est certes, ça vous assure vraiment un bon niveau de vie, mais à côté, il y a quand même beaucoup de choses qui limitent. Pour entrer dans la corporation, par exemple, quelque chose qui limite énormément, c'est uniquement les maîtres. Les maîtres, ce sont les personnes en gros qui tiennent les boutiques, qui ont le droit de vendre, qui c'est eux qui produisent. Et des maîtres ont des compagnons et des apprentis. Les apprentis, c'est en gros les tout nouveaux personnes qui veulent apprendre le métier. C'est. On les forme, voilà, c'est. On vous forme à personne, par exemple, on vous forme à faire un meuble, dans la menuiserie, tout ça. Et bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Sinon, ça serait trop marrant. Ça serait trop facile pour vous. Vous. En gros, vous commencez vos formations, vous commencez apprenti. Vous commencez apprenti pendant plusieurs années. Vous vivez. Voilà, vous êtes nourri, logé d'ailleurs par le patron. C'est important à savoir ça. Moi, je vais prendre la Carelli. Bon, ça fait bonne raison que c'est le plus gros morceau, non. Ouais, Carelli. Ouais, Carelli. Donc c'est vraiment quelque chose de dur quand vous êtes apprenti. Vous êtes certes pas de salaire, mais vous êtes complètement nourri, logé par le maître qui tient la boutique. Et après beaucoup d'années, vous passerez au rang de compagnon. Compagnon, c'est un peu le bras droit du maître. Comme ça, ça se surprend un peu, mais maître, pour moi, titre a vraiment quelque chose de magnifique à la base. Et maître, il va. Vous serez un peu son bras droit, par exemple. Il est pas rare. Ouais, obligé. Il est pas rare, par exemple, quand le maître doit s'absenter une, deux semaines, trois semaines, peut-être même plus, hein. Il est pas rare qu'on demande, par exemple, au maître de... Très bien. Il est pas rare de demander, en fait, au compagnon du maître de s'en occuper, son compagnon étant donné qu'il est suffisamment capable dans son métier de faire les commandes, c'est quelque... En gros, c'est un salarié. Comme aujourd'hui, avant, vous avez les stagiaires qu'on pourrait comparer aux apprentis. Vous avez les salariés, donc les compagnons. Et les compagnons, par exemple, s'ils sont menuisiers, ils préparent quelque chose dans la menuiserie. Et au bout d'un moment, ils vont présenter devant un commissaire regroupant plusieurs membres de la guilde ce qu'ils ont fait. Par exemple, une magnifique chaise, tout ça. Et c'est la guilde qui statue si le compagnon peut passer maître et donc ouvrir son propre magasin. Mais qui dit ouvrir son propre magasin, ça veut dire plus de concurrence, plus de personnes, tout ça dans la même guilde. Mais c'est vraiment eux qui statuent sur le fait de savoir qui rentre ou qui sort. Hein. Et après ceux qui statuent. Donc c'est vraiment... quelque chose de vraiment très fermé, guilde, c'est pour ça que la liberté d'entreprendre à cette époque-là était assez moyenne. Hein. On n'avait pas tant de droits que ça d'entreprendre, hein, faut dire ce qui est. Très bien. Mais certes, vous n'avez pas la liberté d'entreprendre comme ça aujourd'hui, mais une fois que vous êtes maître, on peut dire que vous êtes vraiment... tranquille pour le restant de vos jours, étant donné que vous êtes nourri, logé, tout ça, vous êtes sauve en quelque sorte, parce que vous avez la sécurité derrière de l'emploi.
Mais bon, c'est vraiment réservé à une petite élite, c'est ça en fait qui va surtout... Voilà. Voilà, comme promis, j'ai enlevé le trait de caractère qui m'embêtait. Donc un aboutissement de tout ça en final, c'est que on... Duché de Carélie. Vous constatez qu'il y a un tout petit problème. À qui je vais donner ces titres? Aïe. Ah, petit défaut du de petit défaut d'être de s'occuper de ces guerres saintes en Finlande, c'est que après vous avez le problème de savoir à qui vous avez donné vos titres. Hein. Une forte revendication sur Palerme mais sur Messine. D'accord, bon, j'attends une revendication de plus et je vais faire la guerre. Oh, mais mine de rien. Donc voilà, c'est vraiment... Les guildes à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose de courant qui va être supprimé par la révolution. Pour permettre justement la liberté d'entreprendre et de faire un peu ce qu'on veut. Pourquoi pas, après voilà, c'était aussi eux qui par exemple dès qu'il y avait un problème par exemple dans une commande ou quelqu'un qui respectait pas les normes de la guilde, ben, c'était eux qui s'occupaient des représailles. Ils rendaient justice au nom de la guilde. Hein. Je paye rien. Après, on va faire beaucoup de guerre, hein, je vais pas mentir. Ouais, bah voilà, d'accord, pas de problème. D'accord, d'accord. Donc voilà. Allez hop. Allez hop, suivante. Guerre Sainte-là fini. Donc vous voyez, c'est l'avantage qu'on fait des guerres saintes contre des petits royaumes comme ça. C'est que vous avez quasiment rien à faire. Vous y allez. Oui. Oui, tout parfait. Voilà, c'est... C'est vraiment, faut dire ce qui est, c'est pas forcément la meilleure chose qu'on peut rêver, mais au Moyen-Âge, c'était quand même pas mal de faire partie d'une guilde. C'est... J'ai pas peur. Oui, j'ai un empire trois, je sais le courant. Toi, je t'accorde. Vasse, bordel, là. C'est de Angarmelion. D'ailleurs, je peux pas les repayer au royaume de Finlande maintenant. Si, il me manque plus que les 200. J'ai des 200. D'accord. Bon, pas grave. Hop, on va faire la guerre, lui. Bon, vous constatez que je fais vraiment beaucoup, 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 beaucoup de guerres. Mais bon, ça change un peu, franchement. Quand on se remet dans le jeu, qu'on fait autant de guerres, c'est plaisant.
trop armé ici, on embarque les troupes. Voilà. On les fait venir ici. Oui, c'est tout, c'est vraiment tout un art, hein, les guerres. Non, je rigole, c'est vraiment pas tout un art, c'est vraiment assez facile quand vous faites les guerres maintenant. Surtout vu le nombre de troupes que j'ai. Hein, faut... Non. J'ai pas en fait envie... Allez, hop, tant pis. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça. J'ai suffisamment de comté un peu partout déjà. En plus de voir manger rien de plus, non. Très peu pour moi. Hein. Mais bon, après, à côté de ça, certes, vous avez peu de villas, mais plus souvent, ils fournissent beaucoup de troupes. Hein. C'est le gars. Moi, je trouve au final que c'est équivalent l'un et l'autre. C'est équivaut, franchement. Bon voilà, c'est... Oh non, oh non. Méchante Suède, méchante Suède. D'ailleurs, je pourrais pas tourner avec la guerre, toi. Si. La Suède est très méchante, elle a refusé. Plutôt, c'est... Les personnes que j'ai attaquées ont refusé de me la paix. Il aurait pour moi signé avec moi avant. Bon bah tant pis. Bon, on va faire un grand tournoi. Ça va remonter un peu le moral un peu tout le monde. Vassaux. Voilà. Oh là, c'est dommage, il y a des morts. Alors, il y a une personne qui m'a conseillé de donner, vu que je suis empereur, de donner des titres de royaume. C'est une bonne idée d'un côté, parce que ça vous permet d'éviter d'être emmerdé pour devoir gérer tout ce qui est vassaux des royaumes. Mais, il y a un petit truc que j'aime pas dans ce cas, c'est que vous perdez... C'est qu'en plus vous avez un petit problème avec quand vous faites des trucs dans le vent. Ouais, donc je déclare la guerre. C'est que si jamais c'est un duc. C'est pas courant qu'il y en ait autant en aussi peu de temps, mais bon. Mais bon, on va faire avec, hein. Et j'ai perdu ce que je voulais vous dire, bon, bah tant pis. On reviendra bien. J'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire. En tout cas, si vous commencez à construire une host à partir de maintenant où j'en suis, faites que de la chevalerie ou des cataphrates en fonction des... Les noms changent en fonction des factions. Mais pas leur puissance, c'est toujours les mêmes types de nombre de troupes. Donc voilà, si je commencerais à partir de maintenant mon host, personnellement, c'est ce que je ferais, moi. C'est...
ça. Je ferai que de la cavalerie. Parce que la cavalerie au corps à corps fait beaucoup plus de dégâts que des piquiers. Vous êtes plus rapide, tout ça, vous dépassez plus rapidement. C'est pour tout ce qui est avantage de mobilité en fait. Après, à vous de voir ce que... On a vu ce que ça faisait de compter sur la cavalerie lourde dans... contre les gars durant les garçons, parce que les musulmans... Leur guerre, ça reposait énormément sur la mobilité, justement. Contre les Mongols aussi, ça s'est vu. C'est, on harcèle, on est des troupes beaucoup plus légères. Bon, tant pis, je voulais qu'elle devienne... travailleuse. Parfois, sans tentant des... sans faisant des risques, on obtient ce qu'on veut en trait de caractère. On attend la fin de cette bataille et on expose les deux armées. Donc voilà, c'est... Ah ouais, 41 000 hommes maintenant. Et ici, lui, il peut enlever... Quasiment 100 000, il peut. Moi, je peux enlever, je pense. Ouais, comme ça, j'aurais 11 000 aussi. Bon, en tout cas, pour la question, est-ce que je participe à la prochaine guerre à la prochaine croisade, oui. Pour la question, là, je peux vous répondre directement, oui. Je réfléchis même pas, je vais gérer direct. Ouais, c'est... Voilà. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'on vient de gagner cette guerre, on va stopper avant que la vidéo soit trop longue. J'ai évité de refaire des vidéos aussi longues que celle de 39 minutes. Hein. Même si certains pensent, oh, bah, ce serait pas trop mal d'avoir une vidéo aussi longue, non. On évite de faire trop longue quand même. Donc, ce qui va se passer entre temps, je rabattrai mes troupes ici et on se retrouvera là-bas. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.